Chapitre 46 aujourd'hui, de la guerre chronique. De la guerre chronique. Alors, je vous rappelle que toute l'encyclopédie essaie d'expliciter le monde par l'examen de ses trous et de ses bosses. Dans la guerre, le jeu consiste à aller faire des trous dans le champ du voisin ou de l'accueillir chez nous pour qu'il y fasse des trous. L'enjeu est les ressources du sous-sol ou du sol ou du sur-sol, ressources humaines. Le sol, et puis ses proches voisins, est plein de sources et de ressources. Eau, pétrole, minerais, céréales, gens, bétail, métaux rares. Le sol est rempli de trous et ne demande qu'en accueillir d'autres. Terre d'accueil. L'art est combinatoire. Sol-sol, air-sol, sol-air, air-air, air-sol, sol-air, air-mer, mer-air, voire mer-sol, sol-mer, mer-mer, enfin 8 plus X combinaisons possibles, 8, c'est-à-dire voire octet, hexa-octet, hexoset, etc. Alors, il y a parfois de petits dommages, ou des à-côtés, collatéraux. Les futurs dégâts collatéraux marchent devant. En raison du fort coût de la main-d'œuvre, les marcheurs devant, de devant et d'avant seront des pauvres. Code du soldat. Un soldat valeureux se doit de tomber au champ des valeurs. Tomber droit dans le camp du donneur d'ordre est un honneur. Et un ordre. Les riches sont derrière, les pauvres sont devant, devant, devant. Les riches sont devant leurs écrans vidéo. Par la guerre, les riches se font la guerre entre eux au moyen de pauvres. Les pauvres sont ou l'ont dedans. Par la guerre, les riches font la guerre contre les pauvres au moyen de pauvres. Alors, on peut avancer l'adéquation. Pauvre sur riche égale derrière sur devant. Soldons nos soldats. Soit l'équation riche égale derrière de pauvre sur devant. Ode aux soldats. Soldats. Camper solide pour défendre le liquide de nos positions. Soldats, soyez solidaires des liquidateurs liquidants. Soldats, tu es valeureux. Tu te dois de tomber au champ des valeurs. Le grand avaleur attend tes jeunes années. Terminé.